rien, c'est juste que... J'ai encore jamais vu un truc pareil, c'est tout. Quoi, la forêt? Ouais. J'ai jamais marché en forêt. C'est plutôt cool. Salut tout le monde, c'est Topical, j'espère que vous allez bien les gens, moi en tout cas ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre let's play sur The Last of Us Remastered sur PS4. Si elle pouvait s'occuper de toi, elle nous aurait rien demandé. Peut-être qu'elle va mieux maintenant. Écoute, je voudrais surtout pas te faire de peine, mais ton amie n'avait pas de grande chance de s'en tirer. Elle est plus solide qu'elle en a l'air. Peu importe. De toute façon, je doute qu'on puisse retourner en ville en un seul morceau. Tu peux me croire, je voudrais bien avoir une autre solution. Et donc on se retrouve pour la suite de cette merveilleuse aventure, on se retrouve là, on s'était laissé dans la dernière vidéo que vous pouvez aller voir en cliquant sur le bouton de la playlist juste en haut. Et d'ailleurs, petite nouveauté, vous pouvez désormais tester le 50 FPS, alors pas 60 parce que mon boîtier à télévision ne permet pas de tester 60, mais 50 FPS, c'est quand même beaucoup plus fluide. Vous pouvez tester en mettant la vidéo en HD, vous allez voir 50 juste à côté. Ça sera normalement beaucoup plus fluide, dites-moi ce que vous en pensez. Et vous pourrez enfin profiter de la fluidité de 60 FPS de ce jeu, qui est donc une des nouveautés incluses, implémentées par la version PS4. Donc voilà, on se retrouve dans les bois, c'est quand même magnifique. Et une fois de plus, on va pas se répéter, mais c'est quand même vraiment magnifique. Hop, on va se remettre un petit peu dans l'eau du bain, ça faisait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Je sais, je m'en excuse, mais... va falloir reprendre un petit peu ces marques. Je vois des choses là-bas à récupérer. Ça peut servir. Et je voulais aussi vous montrer une toute petite chose avant de commencer, de continuer l'histoire plutôt. Je voulais vous montrer le mode photo. Salut toi. Qu'est-ce qui se passe? Salut toi. Elle parle à un papillon ou un truc comme ça. Ok. Je voulais vous montrer le mode photo, donc qui est également une nouveauté de la PS4. De cette version PS4. Alors, vous allez dans le mode menu, vous allez choisir mode photo, oui. Sinon, moi j'enlève parce que je risque de misclick et donc du coup de cliquer sur le mode photo sans faire exprès. Et en pendant, je vais me mettre juste ici sur ce magnifique plan. Joël, tu vas peut-être te tourner comme ça-ci. Hop, mode photo. Et donc, on peut tourner librement la caméra comme on le souhaite pour prendre des clichés assez magnifiques. Voilà, on peut faire vraiment un petit peu tout ce qu'on veut. Bon, je vais en prendre un tout simple comme ça. Comme ça, c'est assez joli avec ce plan-là. Champ de vision, profondeur de champ, filtre de couleur. C'est là qu'on pourra faire des choses assez sympathiques. Normalement, ah, pas mal ça. Ah, on peut faire vraiment des choses super jolies. Je vais mettre été en baissant son intensité. Voilà, comme ça à peu près. Voilà, là c'est déjà, c'est vraiment tout con, mais c'est déjà magnifique. On va, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va faire une capture d'écran. Voilà, ça, on peut faire la capture d'écran avec la touche R. C'est très pratique, on peut la partager sur les réseaux sociaux, je ne vais pas le faire puisque bon bah... Ce serait un petit peu con de faire ça pendant la vidéo, mais je vais le désactiver pour ne pas risquer d'appuyer dessus pendant l'action. Donc c'est parti, voilà, je voulais juste vous montrer ça, ça marche très bien, c'est très très beau, vous pouvez vraiment faire des clichés magnifiques si vous arpentez un petit peu le jeu avec tous les magnifiques paysages qu'il y a dedans. Et surtout durant les scènes d'action, vous pouvez faire des choses assez splendides. On peut même grimper ici. C'est vraiment sympa quand même, c'est vrai que dans tous les jeux de Naughty Dog, il y a un moment de contemplation en fait. Un moment où on se pose tout simplement et on admire le paysage tellement c'est beau quoi. Et c'est vrai qu'il y a vraiment que Naughty Dog qui, enfin pour moi, qui arrive à faire quelque chose d'aussi beau et d'aussi maîtrisé. Bon, on vient dans un comté un petit peu plus habité. Je suppose que ça on va pas pouvoir l'ouvrir. Ouais, il y a un cadenas, il y a une chaîne plutôt. Eh merde. Tu veux qu'on grimpe? Non, il y a un fil barbelé en haut. Faut qu'on trouve un moyen de contourner. Allez, Thérèse, c'est parti. Bon, on va continuer par ici. Regarde! Des lucioles. Enfin,
De vraies lucioles. Ouais, je vois ça. Joël qui a l'air parfaitement enthousiaste. Désolée, je me suis un peu emballée. Eh, c'est la première fois qu'elle sort comme ça de son quotidien de survivant. Et c'est vrai que non, c'est quand même vachement bien rendu. On va pouvoir utiliser cette planche pour se faire un passage peut-être de là, entre les deux bâtiments là, si je me souviens bien. Et merde. Par ici on peut non, pas aller pas non par plus. Là non plus. Ouais. Il n'y a rien à regarder. Alors si jamais vous voyez me pencher les gens, c'est tout à fait normal, ce que je regarde c'est le micro, enregistre toujours bien. C'est voilà, une petite habitude que j'ai prise. Pas que comme un con, je me rends compte en plein milieu de la vidéo que le micro n'a pas fonctionné, c'est un petit peu bête sinon. Donc allez, on va passer cette planche là, normalement on va pouvoir la récupérer depuis le haut. Normalement. Hop. Voilà. Et là... Oh. Ouh. Alors là, j'approuve cette arme. Bah, c'est tout simplement une arme modifiée en fait. On peut améliorer des armes de mêlée en rajoutant des ciseaux en fait en bout. Bon, avec d'autres choses évidemment, avec d'autres matériaux. Ce qui permet de one-shot les ennemis en fait, ce qui est très très pratique. Et bien sûr, elle a une durée de vie limitée. Elle se brisera dès qu'on l'utilisera. Là par exemple, elle a un coup spécial. Un coup qui est one shot, sinon les autres, bah après ce sont des coups normaux. C'est parti. Ok. Putain, c'est quand même vraiment splendide. Déjà sur PS3 c'était déjà beau, mais là sur PS4 avec voilà le détail des textures absolument splendide. Toi, Bill. Vous vous retrouvez où d'habitude? Hein? Ça dépend. T'es jamais venu ici, hein? Je sais que c'est ici qu'il habite, mais... Non, personnellement, j'étais encore jamais venu. Et cette fumée, tu crois que c'est lui? Il y a plutôt intérêt. Bon, on n'a qu'à aller vérifier, alors. Ouais, alors, donc là, on doit aller chercher l'ami de Joël, Bill, qui pourra sûrement donc, nous conduire au Luciole. Allez, on va... pas des bonnes habitudes, on va explorer un petit peu. On a trouvé des ciseaux, une petite pierre pour pouvoir distraire les ennemis. On va donner un petit coup par sécurité. Non, il n'y a rien. J'explore un petit peu. Puis comme vous m'aviez dit qu'il fallait bien fouiller, c'est ce que je fais. Je suis vos conseils parce que c'est vrai qu'il faut quand même très très bien fouiller dans ce jeu. Et en général, c'est vrai que j'aime quand même bien fouiller dans les jeux. Bon, j'arriverai pas à l'enfoncer. Il y a un autre chemin. Passant par là-bas. J'aime quand même bien assez fouiller dans les jeux, récupérer tous les items. Regarde où tu vas, je suis terrible. Oh oh. Yep, je viens d'entendre un claqueur, c'est magnifique. C'est exactement ce qu'il nous fallait pour finir la journée. Oh. Nice. Très bien, un claqueur caché dans la petite baraque là. On va devoir se la jouer discret. Est-ce que j'ai un sur un? Et est-ce que je peux en fabriquer? Oui. Je vais en fabriquer un autre. Au cas où. J'ai du cocktail Molotov aussi. D'accord, très bien. Je vais garder la pierre. Est-ce qu'on peut passer là-haut? Est-ce qu'il y a déjà des trucs à l'intérieur? Non, il n'y a pas d'infecté. Ok, des pièces, ça c'est très très bien. Donne-moi une seconde. Ciseaux. Putain, il y a plein d'objets. Qu'est-ce qu'elle fait? J'essaie d'apprendre à siffler. Excellent. Est-ce que j'ai l'air de savoir siffler? Yes, des munitions. Ah, c'est pas encore ça, hein. Ah, une note. Alors, note des pilules, lire.
Récupérer plus de pilules, voir si je peux grappiller quelques balles de plus. Je n'ai que 3 semaines avant la prochaine livraison à Tess. Ah, on parle de Tess, donc je suppose que c'est quelqu'un qui pourra nous aider vu qu'elle connaissait Tess. Hop, enfin on suppose, hein. Bon, ah là, bah, y a des trucs, des pilules, très bien. Et par ici, on descend. Y avait pas l'infecté pas loin. Ah, nice. Oh, mais attendez, y a des trucs derrière. Je sais pas si vous voyez. Par ici. Mais y a des trucs derrière lui. Attention là. J'en entends un autre. C'est quoi ça? Oh merde. Nice, il y en a un autre là-bas. Ok. Oh merde. N'approche pas. Est-ce que je peux le souriner comme ça? On t'a dit n'approche pas, Ellie. T'es conne ou quoi? Ok, je peux peut-être les souriner comme ça. C'est un gros risque que je prends, mais je le prends. Je suis un fou. Attraper. Suriner. Boum. Voilà. J'ai bien fait de prendre un surin supplémentaire. Comme ça, je suis pas ric-rac au niveau surin. En fait, j'aurais pu ne pas le tuer parce qu'il n'y avait pas grand-chose vraiment à récupérer. Ouais, ça j'en ai. Là, c'est là où j'étais tout à l'heure. Et grimper par ici ne me sert à rien. Bon, attention, il y en a un autre juste ici. Oh putain. Eh, tu casses les pieds. C'est des bouteilles, on s'en fout. On peut ne pas le tuer. Et si ça m'économise un surin, eh ben c'est tant mieux. Donc voilà, c'est quand même tactique. Vous pouvez choisir de ne pas tuer les ennemis. Eh bien, si vous voulez ne pas gaspiller vos munitions, je pense qu'on peut continuer par là. Hein. Ah, ça c'est quoi? Ouf, une porte à surin. Heureusement que j'en ai fait un autre. Heureusement, comme ça je peux l'ouvrir et récupérer un max de victuailles. Enfin, de victuailles, de voilà, d'éléments, nickel. Oh, des munitions et tout, yes. Ah, mes munitions sont déjà pleines. Je peux pas. Ah, si, je peux recharger quand même. Voilà, une mission. Et mon pistolet, je peux le recharger aussi. Bon bah écoutez, j'ai le plein de munitions. Ça c'est plutôt sympa. Par ici. Merde. C'est bloqué de l'autre côté. Vas-y, fais-moi monter. Non, 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 non. Je crois que c'est pas une bonne idée. Je peux pas te faire la courte échelle. Comment tu veux passer sinon? Et pourquoi c'est une mauvaise idée? D'accord, viens là. Donne ton pied. Bon, écoute, tu te contentes d'ouvrir, ok? Rien de plus. Oh, comme on stresse trop. Ça marche. Doucement, doucement. Il est vraiment en mode stress, hein? Ok. En espérant qu'il n'y ait pas d'infectés qui viennent en mode. En mode coucou! Bah ben voilà. Merci beaucoup. Oh, on a encore une barre en fer ici. Bon, on essaiera de s'en souvenir. Mais la mienne est améliorée, donc elle est quand même bien mieux. Alors. Alors. Bon, disons que ton pote nous file une voiture. Et après? Eh ben, après on ira retrouver Tommy. Marlène dit que c'est ton frère? Surtout, il faisait partie des Lucioles. Il saura nous dire où t'emmener. Ok. Il vit loin d'ici, c'est pour ça qu'il nous faut une voiture. Donc on va lui demander une voiture à Bill pour ensuite aller voir son frère. Des nains. Ouais, c'est des nains. J'avais un bouquin avec plein de nains en dessin. Je les ai toujours trouvés trop mignons. Par contre, j'aime pas les fées. Elles me filent les jetons. Ouais, lol. D'accord. Lol. C'est vrai que celle-là, elle est particulièrement flippante. Hein. Bon, c'est bon, il n'y avait rien d'autre à récupérer, je suppose. Je peux pas grimper là-haut? Non, je peux pas. Non, non, il n'y a absolument rien à voir. Ah, par là, ouais, c'est juste la suite.
semble pas y avoir grand chose par ici, hein. Oh là, la ville abandonnée, c'est quand même bien foutu. J'adore cette ambiance, un peu filtre Instagram, vous voyez ce que je veux dire. Cette ambiance un petit peu orangée, nacrée, oh, j'adore ça. Je trouve ça vraiment magnifique. Donc là-bas, c'est là où on était tout à l'heure. Évacuation obligatoire. Évacuer, où ça? À ton avis, la zone de quarantaine. Certains endroits ont eu un peu de temps pour se préparer avant que l'infection leur tombe dessus, mais c'était rare. Ça doit être dur, de devoir tout abandonner derrière soi comme ça. Ouais. C'est pas ça le plus dur. Ah, c'est pas faux. Lui, il s'y connaît en truc dur, après la séquence d'instruction. Ouais, c'est Bill qui a bricolé ça. Quelqu'un d'autre vit ici à part lui? D'après ce que je sais, il est seul. Oh, la barricade! Ah, c'est pas mal, ouais. Bon. On va pas passer par là, du coup. On peut passer par là. Je crois qu'il y avait des endroits où on pouvait aller chercher. Tiens, là-dedans, déjà, par exemple. Oh, une batterie. Regarde-moi ça! Eh ouais, magasin de musique. Avec une bonne batterie. Enfin, une bonne batterie, une batterie, quoi. Oh, j'ai vraiment tout plein. Je peux pas confectionner un truc parce que... Genre, kit de soins, oui, tout à fait. Je vais m'en faire deux pour le coup. Et je vais me faire encore un surin en plus, voilà. Comme ça, j'ai vidé mes réserves et je peux prendre ça. Très très important. Hop, des munitions. Très très bien. On va recharger ce pistolet. Très important, si vous avez... ça c'est un petit conseil que j'ai trouvé tout seul, je suis très fier. Non, si vous avez vos munitions pleines, enfin vos réserves pleines, vous pouvez les désemplir au final en créant des choses pour pouvoir prendre ce qu'il y a. C'est toujours utile. Voilà, d'avoir le maximum de ressources. Alors note sur le périmètre. Ces satanés affectés sont bien trop près de l'abri de l'église. J'ai l'impression que je vais devoir faire un nouveau tour du périmètre pour repérer les failles. Sûrement un message de... Enfin, une note de Bill. Oh, c'est triste quand même. Quoi? Elle est où? Elle est passée où? Ah, ok, elle est là-bas. On va continuer par là. Oh putain! Notre Dieu! Waouh! Attends, mais qu'est-ce que c'était ça? Ça, c'était un des pièges tendus par Bill. Dis, il est pas un peu parano, ton pote? Ah, t'imagines pas à quel point. Ah, c'était le fil. Le fil là. En fait. Il nous a aidé à introduire des trucs en ville, disons que il est capable de trouver n'importe quoi. Eh ben, espérons qu'on finira pas en miettes en le cherchant. Regarde bien où tu marches et ça ira. Ouais, c'était le fil qu'on avait vu en travers du mur, là. Heureusement, l'infecté s'est pris dedans, ça aurait pu être nous, ou l'infecté aurait pu nous becter, au choix. Et encore une porte à sûr, hein. Et, ben, oui. Et voilà. Oh, la classe. Pas pour moi. Yeah. Ouah, tout ce qu'il y a. Oh là, il y a plein de trucs. Alors ça, c'est plutôt sympa. Ça, c'est sympa. Voilà, c'est bon. Ah là, il y a pas mal de choses. Je vais voir ce que je peux faire. Oh là là, encore des kits de soins. Je peux encore reconfectionner la surin. Je vais m'en faire un autre. Et je vais refaire un autre kit de soins parce que je suis plein. Je pense faire des cocktails Molotov avec les mêmes matériaux que pour le kit de soins. C'est intéressant. Voilà, je pense qu'on est un petit peu stock niveau matériaux. Alors ici on a un autre piège. Avec une bombe juste ici. Qui explosera dès qu'on passera. Des ça flèches. Va. Il s'est tiré à l'arc. Faut croire que oui.
No trespassers. Ok, on va servir de l'échelle. Il y a beaucoup quoi là? You will be shot on sight. Ok, donc en fait on tire à vue quoi en gros. On tire à vue sans se poser de questions. Oh oh, nice. Regarde ça. Donne-le-moi. Je suis assez douée pour le tir à l'arc. Je préfère m'occuper de ce genre de choses. Si chacun avait une arme, on pourrait se couvrir l'un l'autre. Je préfère pas. Ta gueule. Ah, l'arc, c'est honteusement stylé, par contre. Bon. C'est quand même vachement stylé. Hop là. Alors. La voie est libre, monte. J'arrive. Oh là là, magnifique. Ce soleil, quoi. Oh, merde. Ah, par contre, ça, c'est un peu chiant. Ah, mais attends, on peut peut-être utiliser la planche. Ouais. Tiens, on a qu'à se servir de ça. Hop, ça on la met là, comme ça on peut les récupérer d'en haut. Voilà, c'est des petites énigmes, hein. Pas bien compliquées, mais bon, c'est sympa. On peut noter la présence, c'est quand même sympathique. Elles sont pas autant évoluées que dans Uncharted quand même. Uncharted, il y avait vraiment des énigmes vraiment très très sympas. Bon là, c'est vraiment pas le but, le leitmotiv du jeu, mais enfin bon, c'est quand même sympa qu'elles soient présentes. Hop là. Et on peut passer tranquille. Oh, oh merde. Bon sang. Alors là, on pourra peut-être tester l'arc. Voyons cette petite merveille. On bande l'arc. Plus on maintient longtemps, plus le tir a de la force. On peut voir la trace de l'arc. La traînée que la flèche va faire. Et donc, on peut viser assez précisément. Très précisément. Normalement, je vais essayer de viser dans la tête. Et normalement... ça passe plutôt crème. Ça marche très bien. Bon, écoute, Bill, c'est plutôt le genre de gars instable, tu vois. Merde. Alors une fois là-bas, laisse-moi lui parler. Compris? Compris. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'il a un peu de mal avec les étrangers. D'accord. Bill est un type bien, mais... il lui faut un peu de temps pour s'habituer aux gens, c'est tout. Donc il va te prendre pour une grosse connasse dès qu'il va te voir, en gros c'est un peu ça. Mais ne t'en fais pas. Allez hop, on descend. Ok, encore un piège. Attention. Donc on va se baisser. Tu vois ce fil barbelé? Reste en dessous, ok? Garde la tête baissée, tout ira bien. Ça marche. Ça fait quand même flipper, ça. Ouais, fais pas la conne, Ellie. Alors... T'as entendu? Ouais. Ok, ça pue par contre. Qu'on entend le truc se barrer. Tu vas y aller? On peut voir ce qu'on peut trouver. Tu trouveras mon cadavre quand je serai mort d'une crise cardiaque. T'inquiète pas. Je m'en occupe. Mais que dalle? Ah non, il y a un escalier là. À tous les coups, ça va être rempli d'infectés. Non, même pas. Il y a des vieux bruits. Ah, mais c'est elle qui essaie de siffler là. Bon, bah y'a rien en fait. Du papier. C'est plutôt cool. Y'a rien d'autre. Oh putain de merde!
C'est pas du tout ça que je voulais prendre, mais c'est pas grave, c'était plutôt efficace. Ce truc m'a foutu la trouille de ma vie. Bon, pendant qu'on est là, on devrait fouiller cet endroit. Ce qui est cool, c'est que je récupère la flèche à chaque fois vu qu'elle ne se casse pas. Ah, je l'ai quand même plutôt bien géré celui-là. Je pensais pas l'avoir, mais... Rachel. Un mot pour Rachel. Les soldats vont de porte à porte et obligent les gens à entrer dans des bus. J'entends des cris à deux pâtés de maison. On n'a plus beaucoup de temps, j'essaie d'appeler, d'attendre, mais je ne peux plus rester. J'ai jeté le gros de nos affaires dans deux valises, je t'attendrai dans la zone de quarantaine. Retrouve-moi là-bas très vite, Ezra. Tu crois qu'ils se sont retrouvés ? Comment je pourrais le savoir ? En tout cas, j'aimerais bien. Ah, ce serait sympa pour eux. Bon, et bien on continue, on va sortir de cette maison. Viens, fichons encore d'ici. Allez. Ah, par contre, ouais, là j'ai l'arc et. Ouais, je peux changer pour le fusil de chasse. Bon, je vais quand même le garder. Je vais quand même mettre plutôt ici le pistolet, vu que j'ai quand même plus de munitions. Pour équilibrer un petit peu, avoir beaucoup de munitions d'un côté et pas beaucoup d'un autre. Oula. Merde, regarde ça. Alors, on a un peu emmerdé. Est-ce qu'on pourrait pas... Attendez, je vais peut-être prendre un peu de distance. Est-ce qu'on pourrait pas lancer... Voilà, lancer une bouteille dessus. Exactement. Putain. Merde. Ces trucs sont plutôt cool. Chacun ses méthodes. Plutôt sympa, ouais. Heureusement qu'on a des bouteilles. Ah, des munitions. Oh là, attention. Tu vois ça? Recule. Merde, j'ai plus de bouteille. Si, on va prendre cette brique ici. Voilà. Alors ne surtout pas jeter le cocktail molotov là-dessus, ce serait quand même con. Ellie, on t'a dit de reculer. Merci beaucoup. Voilà. Voilà, allez. Ça passe crème. Bon. Eh ben, on va continuer par ici. T'éloigne pas. Alors. Là-dedans, des munitions. Et c'est tout. Ok. Putain, Bill! Qu'est-ce qui s'est passé? On n'est pas dans la merde. C'est encore un des pièges à la con de Bill! Là, le frigo! J'ai l'impression qu'il fait contrepoids. Ok. Putain, c'est quand même super bien! Oh là là, le choix de cette scène à l'envers et tout, c'est génial. Descendre. Oh là là. C'est des... Oh putain de sa race. Merde, ils sont là. Oh la vache. Ah non, il y en a un là. Barre-toi, merde. Oh là là. Oh là 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 là. Oh là, cette scène, les gens. On est à l'envers. Allez, headshot, motherfucker. On n'a pas d'impératif de balles, heureusement. Yes, headshot, motherfuckers. Ok, il y en a d'autres là-bas, il y en a d'autres. Oh, bon sang, lui, il arrive un peu vite. Bah, toi, t'es mort. Oh, un claqueur. Allez, oh non, 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 il faut qu'il crève le claqueur. Oh non, 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 non. Oh, il me fait perdre du temps, le claqueur arrive. Oh, putain de sa race. Oh non, ça c'est pas bon. Recharge vite, Joël. Oh non. Non, non, non. Ok. Pas de soucis, c'est pas grave. C'est pas vrai.
les mecs un peu trop résistants. Voilà. Voilà. Petite chose qui passe bien. Ah mince. Là, y'a rien qui passe là. Allez, 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 allez. Hop, juste après l'avoir tapé, on a le l'auto-aim, enfin le la visée auto qui se met sur la tête. On peut peut-être leur tirer dans les jambes, j'y ai pas pensé. Pour les empêcher de marcher. Hop. Si jamais je tire dans les jambes du claqueur. Non, non, il marche toujours bien ce connard. Oh mais putain, non. Allez, oh il se rapproche le claqueur. Putain, faut absolument pas que je rate mon headshot sur le claqueur. Yes. Oh non. Non, mais... What? C'est pas possible ça. Occupe-toi de la corde. Ellie, tu t'en sors. Ah, faudrait que je pense à recharger moi-même. Yes. Genre là maintenant. C'est vrai que je peux recharger moi-même sans viser. Yes, headshot, motherfuckers. Ok, encore une autre headshot, je recharge. Le café. Ça part en headshot, il faut le finir. Meurs. Yes. Oh vache. Quand tu veux, Ellie. Tiens bon. Allez, Ellie. Oh, ça c'est pas bon. Ça va? Ouais. Tu vas y arriver. Ok. C'est bon. Voilà. Merci. Ça nous a donné d'autres munitions, c'est ça? Chier. Oh non. Allez. Oh non, merde, y'en a un autre derrière. Putain. Je peux pas recharger assez vite. Oh non. Non, Ellie, non, non, non. Ellie, Ellie. Putain, il bouge trop vite, le con. Il bouge vite. Yes. Recharge vite. Recharge vite. Oh putain de sa race. Oh la vache. Putain, recharge. Oh non, je rate la tête, je rate la tête. Tant pis. Ça passe même sans la tête. Putain, ils sont à la porte là-bas. Allez, Ellie. Yes. Ça fait mal. Oh, on sent. Allez, 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 allez. Oh. Bouge un peu ton cul et laisse-moi. Salut, Bill. Oh, bon sang. Merde, ils arrivent, ils arrivent. Oh. Allez hop. Ok go. Oh bon sang. Ok, ça c'est pas bon. Ça, 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 ça c'est pas bon. C'est le bordel, c'est le bordel. Allez, c'est... On a utilisé l'arme de poing. Oh merde. Allez, à toi mon coco. Yes. Et boum. Pied bouche. Allez hop, c'est parti. On va prendre cette arme là. Elle a plus... Elle a plus de vie. Enfin de vie. Je me comprends. De... Ok, il y a des trucs à ne pas rater. Des munitions. Ok, là par contre il faut y aller.
sang. Et ils arrivent, allez! Ils arrivent! Continuez! Allez, allez! Allez, allez! Mais on se manie le cul! C'est ouvert, allez! Allez, go! Merde! C'était chaud! Merci d'avoir joué les héros. Ellie. Qu'est-ce que... Joël! Bill! Qu'est-ce que vous faites? Bill! Détachez-moi! Tourne-toi et mets-toi à genoux! Attends, calme-toi un peu. Tourne-toi et mets-toi à genoux! Fais pas le malin! Ok, t'énerve pas. Effet mordre? Non. Des excroissances? Non, putain, j'ai rien. Si je vois le moindre tremblement... Arrête, sale petite garce! T'as fini? Si j'ai fini? Vous débarquez chez moi? Vous déclenchez mes pièges? Elle manque de me péter le bras avec lequel je tire? Et c'est qui cette petite peste? Qu'est-ce qu'elle fout ici? Ce que je fous ici vous regarde pas. On est là parce que vous avez des dettes envers lui. Commencez par m'enlever ces menottes! J'ai des dettes envers Joël. Non mais tu plaisantes. Je vais aller droit au but. Il me faut une caisse. Eh ben, super la blague. Joël veut une caisse. Dis, si j'en avais une qui marche, qui est loin d'être le cas, qu'est-ce qui te fait croire que je te la filerais? Hein? Bah oui, bien sûr, te gêne pas, prends ma caisse. Prends ma bouffe aussi pendant que t'y es. D'après ce que je vois, vous avez un peu trop de bouffe. Écoute-moi, sale petite conne. Non, je vous emmerde, vous m'avez attaché... Je veux que tu fermes ta gueule. Ok. Je sais pas à quelle dette tu penses, mais elles valent pas autant. Alors là, Bill, détrompe-toi. De toute façon, j'ai pas de voiture qui marche. Mais il y en a une dans cette ville. Des pièces. Dans cette ville, il y a des pièces. Ça veut dire que tu peux m'en réparer une. D'accord. Et pour faire ça, je vais avoir besoin de matériel. Ok. Il est de l'autre côté de la ville. Tu vas m'aider à le récupérer. Et peut-être que je pourrais t'assembler un truc convenable. Mais après ça, on sera quitte. Ça me va. Dans quelques jours, on sera sûrement mort de toute façon. Bien. Suivez-moi. Toute cette ville est bourrée de pièges. Alors collez-moi au cul. On peut pas le louper. Ferme-la. Bon. Je vous conseille d'emporter tout ce qui vous paraît utile. Tout de suite. Je te remercie. Ellie, regarde s'il y a des trucs utiles dans le coin. Et bien voilà les gens, on va s'arrêter ici pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Pas beaucoup d'action au départ, mais à la fin on a été bien servi. Encore une fois, si ça vous a plu, bah, je vous conseille de laisser un j'aime et de vous abonner pour ne pas rater la suite. Suivez-moi sur Facebook, Twitter, Instagram, Google+, tout ce que vous voulez. Je vous dis à plus, faites bien chauffer les pads, have fun.